ça qui passe TV show. Ça passe. N'a pas gardé ça qui passe TV show avec Guylaine Berry. Ça passe. Ça passe TV. Ça passe. Ça passe TV. Nom c'est Guylaine Berry, n'a pas gardé ça qui passe TV show. Moi salut nous tous qui branché là jodi hein, et on l'autre épisode encore avec différents guests que nous pral gagner et invités sur émission Panoua ça passé TV show. Restez là, n'a tourner tout à l'heure. Combien fois que événement chaque jour fait pas garder bagaille important qui gagne valeur. Pour chaque petit monde qui mourit noyé, il y a 4 autres qui interné l'hôpital et 3 autres qui a souffri avec cerveau qui dommagé. Trop souvent, yon néglige méthode qui simple qui ca sauver la vie yon petit monde. Mais et si vous avez une méthode ça yo, qui est capable d'éviter une tragédie? Méthode simple, Water Smart, qui veut dire connaître ça pour faire l'eau bord de l'eau, capable de faire une différence entre la vie et un bagaille qui est plus terrible. Si vous n'avez pas un petit monde, achetez de l'eau en premier pour assurer que vous pas la donne. Si vous avez une piscine la caillou, il est bon pour prendre certaines mesures qui sont nécessaires pour protéger les gens que vous remet. La vie de monde qui est en danger, seul gens pour protéger yo, c'est pour une méthode Water Smart. Yon ligne principale dans défense c'est toujours yon adulte qui capable assurer que ti moun pas quitter yon côté en sûreté sans supervision. Comme parent, assure que quitter yon adulte responsable pour surveiller petit tout lè ou pas là. Assure que porte pour aller dans zone piscine nan gen alarme. Yon l'autre ligne défense c'est yon clôture piscine qui ka empêcher curiosité ti moun qui sans supervision produit yon tragédie que tout moun ka regrette. Finalement, n'importe adulte dans Kaila qui capable superviser ta doué kon administrer CPR ba yon ti moun en cas que ta gen yon malheur qui rive. Pour apprendre plus sur Water Smart Broward, al sou site internet watersmartbroward.org. Jeudi, sur Sak Passé TV Show, nous avons ensemble avec nous Mr. Coleman, qui est un fashion producer. Il produit Fashion Week dans Miami et avec un pile d'autres bagages qui ont rapport ensemble avec fashion dans la communauté américaine nan, et dans l'autre communauté. Jeudi, il pral dit nous qui ça exactement que le fait et qui gens que les mêmes et li vin rive nan point côté que li est là côté que li produit Fashion Week. So pour nous même qui connaît plus de questions de fashion et nous pral apprendre connaît qui est Mr. Coleman. Mr. Coleman, welcome to Sak Passé TV. Oh, thank you. Sak Passé. Enfin, so tell us a bit about what you do and also how can people be get a little bit more familiarized about what you do with Fashion Week and also as a producer. Well, I produce fashion for Fashion Week on South Beach right now. We have a Fashion Week coming up for spring. It starts March 16th, going on to, I believe, the 20th. And then what we're doing is we're having a lot of different designers coming in. We're actually starting with emerging designers, that's designers that's coming out with their lines. And some of them are students, and some of them are designers that are just getting out there making it. And then we have some other designers that have already breached and made it for themselves, and then they'll be doing some elaborate designs with some very beautiful models. So when we're talking about fashion and designs and Fashion Week, do you see that the black community are involved into Fashion Week, especially the one in Miami Beach? The black community, I'm going to say we would like to have more of your participation for with the black community, black designers, black models. And there is a need, there's a great need for you to be out there, there's a great need for you to be a part. So if you are a student, if you are a designer, if you're a model, I don't want you to think that you're not, there's no place for you. It is. We want you to come. We want you to come and learn. We want you to come be a part. We want you to come and invest into yourselves and get to that next level for Fashion Week. So now when you're talking about getting involved, you're talking about black designers, black
fashionistas and stylists. So how do they get involved? Because a lot of times we want to get involved, but we don't know how to. We don't know where. We don't know who to contact. So would you be that point of contact that will help those stylists, those designers, and those models? Yes. That are watching? Yes, I myself, I do a lot of mentoring. I do a lot of assisting with development, whether you're a model, whether you're a designer, photographer. A lot of the production in the industry, if you are interested, yes, you can contact me. I am Mr. Coleman. You can Google Mr. Coleman, or you can hashtag. Now, let's say that we have a young person that would like to get involved into the fashion industry. What message do you have for both parents and children? Believe. Believe in them. It is not a joke. Someone's interest, someone's talent, take it seriously as you would their job. Give them every resource. If it's a magazine, give them a magazine. If it's a crayon, give them a crayon. Believe in your students, believe in your kids, let them do their thing. And then provide resources. Take them to the library. Find someone like me or a TV show. Reach out and don't be afraid to contact and say, my child wants to do this. Whatever the miracle is, help make the miracle. And for those of you that are watching, Mr. Coleman, for those of you that are watching, the information of Mr. Coleman will be on sakpasemedia.com. So if you have a child that would like to be in the fashion industry, don't say that you don't know where to go to. Pour nous-mêmes qui cap garder là, si nous besoin information pour tout monde que nous gagne, jeunes que nous connaît qui t'a aimé rentrer dans question de fashion ou bien style ou bien et modèle, nous capable aller sur website sakpasemedia.com pour nous joindre plus information. Et Mr. Coleman, c'est un monde qui produit Fashion Week dans Miami. So m'ta souhaiter que nous-mêmes qui branché là qui a regardé, nous supporter ça une lot a fait. Et tant que gens que nous sont tendel dit là, il t'a expliquer que nous-mêmes qui gagne ti jeune la caille nous supporter you et comme ça n'a capable aider you réussir dans question de fashion ou bien modèle. Now that we have some parents that do not think that being a model is a real career or you can make something real out of modeling, stylist or fashion. So what message do you have for the community? Because not just parents that do not believe in their children doing all those things, but also the community. Because most models and most are interested models are young, everyone interested, that's why I say take it seriously as to the job, because whether they are modeling parents or they are going for a job interview or they're going to be a business executive, it all requires the same poise. It all requires the same confidence. So modeling actually instills a great deal that is needed in the corporate field. You know, I have a question for you. It's kind of personal. My two children, I have a boy and a girl. Well, they're no longer boys and girls. However, to me, if my child would come to me and say, you know what, I want to be into fashion. And a lot of times we see those models, they barely wear clothes. So how can a parent relate to that and think that, okay, my child can do that and I'll still support her or him? The hard work is in raising your kids. You raise your child, you know your child. And if you know your child, it's more to the skin, is more to the, that needs more direction as to how to behave themselves, and sit down with your child and find out what they want, and then be fair and be honest and let them know what you want and what you would allow. That is the first step before you let them out there, because they're going to grow up. They're going to grow up someday. Now, there are some companies that are, how they call this, casting companies. Some of them are bogus companies. And how do people really know which ones are the good ones and the bogus ones? Phone calls. Go online, interview the website,
find out who they are, find out their background, reference, cross-reference, call someone else, another company, and ask them about this company. You know, do the research. Don't be afraid, Facebook is here. Don't be afraid of, if they say they work with a particular person, don't be afraid to go on Facebook or Instagram and find out, is there a connection with the two? And then you'll find someone will say yes, or someone will say no. Don't be afraid to reach out and do your research. Okay, so use technology to your benefit. nous attendons Mr. Coleman so d'expliquer nous qui genre industrie. You're gonna strike that, okay? Nous attendons Mr. Coleman so d'expliquer nous qui genre industrie. Okay, I really cannot say that. So. thank you very much, Mr. Coleman, for sharing all those good information with us. And I'm sure that a lot of people will use this into, making sure that the kids in their lives, the youngsters that want to get involved into the fashion industry or style or designer, they will definitely use this information to the best that they can to make the best out of fashion designing. And I know that you've worked with some fashion designers in the Haitian community. Yes. What message do you have for them that are watching today, or someone that would like to wear clothes that were designed by a Haitian of Haitian descent designer? The biggest thing you have going for you is in the Haitian community, as a Haitian designer, is your creativity. I can tell you, whether it's America, whether it's Paris, we love your colors. We love your creativity. We love your passion. Don't be afraid to do your passion. Just do it. Don't have to conform. Do your passion, your painting, and your fabrics, and allow us to enjoy it. That's all you have to do. I love it. So, si gumba ay kuno reme fe. Design clothing or créer yon pièce quelconque, enjoy sa ko fè yon. Et puis nous même n'a bien content mitil. Moi mes couleurs, and Mr. Coleman just mentioned that the colors are wonderful. And for those of you that have been watching me, you know that I love colors. So please let your colors show. What is your last word for us today, Mr. Coleman? Go forth. Create. Don't be afraid. Step out of the box. Yes. Do your thing. I love it. Do your thing. And the word of the day is creativity. Mr. Coleman can be reached at? You can reach me. You can Google Mr. Coleman. You can hashtag #ThemrColeman, Mr. Coleman. And then also you can catch me on Media. Yes.com. Thank you very much for being our guest today. Nous avons regardé Sak Passé TV Show. Nom c'est Guylaine Berry. Et invité nous aujourd'hui, c'était Mr. Coleman. Nous avons souhaité que nous apprenions de partie ça sur Sak Passé Media et Sak Passé TV Show. Vous êtes là, nous avons tout à l'heure comme ça. Sak Passé TV Show, hosted by Miss Berry. Sak Passé TV Show motivates, entertains, and informs. Your support is very much appreciated. We're looking forward for your sponsorship, contribution, and support. Watch us on this channel or on demand at SakPasseTV.com. For more information, contact us at SakPasseMedia.com. Jen Neighborhood Medical Centers remè patients senior citizen yo en pile. Docteur pas son pile temps ak patients yo. C'est chaque mois docteur vle wè patients yo pour prévention toute maladie. Staff la souriant et la plupart service médical yo w ap jwenn yo la en dans Jen Medical Centers. C'est ça que fait. Jen c'est meilleur centre santé pour personnage dans sud Florida. Si ou ta remè apprendre plus de Jen Neighborhood Medical Centers, rele 954-862-1640. 954-862-1640. M'a rappelé nous que n'a regardé Sak Passé TV Show. Nom c'est Guylaine Berry et ensemble avec nous aujourd'hui Asnal Nelfra qui c'est un musicien, producteur et bon, regardez,
un musicien extraordinaire que nous gagnons dans la communauté haïtienne qui surtout focus sur musique l'évangile gospel songs tant que nous t'ai cabrelé mais il gagne une histoire derrière musique que il fait et jodi on va introduire monsieur Nelfra ensemble avec nous même qui branché sur Sac Passé TV show. Bonsoir Asnal. Bonsoir Guylaine, c'est un réel plaisir pour nous capable là après-midi sur Sac Passé TV pour nous capable parler de album là surtout de nous-mêmes que nous fait sortir dans communauté haïtienne là et donc on est que il y a pile monde qui ca contendé musique nous qui ca con habitué ouais, nous tout l'église que nous passer mais après-midi a une chance pour capable garder nous live sur Sac Passé TV et pour nous-mêmes qui branché qui contendé causer femme tout temps me jouer musique à Sanalio sur causer femme n'est-ce pas en pile et nous merci pour ça en pile son plaisir et toujours motivé avec parole que vous dites et puis quelqu'un track yo gagne en pile monde qui est capable dire quoi ça que li aider yo faire face ensemble avec problème tant que Jésus c'est solution hein et que moi-même dans track dans album là que vous gagnez mais une question que me gagne pour qui ça qui t'a poussé ou pour t'être capable à chanter musique chanter chanson l'évangile. OK, ça qui n'est capable dire ça qui poussé me pas au bagage qui t'a vraiment poussé non parce que nous sommes monde qui fait dans l'évangile moi fait l'église moi grandi l'église et me toujours l'église jusqu'à présent. Bon Dieu ben mon inspiration depuis à l'âge de 6 7 ans commencer chanter vers 10 12 ans commencer composer musique par nous. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons 22 ans depuis que nous avons composé, nous avons chanté musique pour bon Dieu, capable d'aider le peuple surtout à saluer et surtout capable de raffermir nous. Jésus, c'est solution son musique, nous connaissons vraiment en pile. Son musique qui retrace l'histoire, la vie, et fait connaître, fait peuple connaître que, quel que soit ça que vous êtes capable de passer dans la vie, à connaître que Jésus, c'est solution avec tout problème que vous êtes capable de gagner. Parce que moi-même, l'aime, j'ai un problème pas maintenant. Moi te prié bon Dieu te guérir et on pral joindre plus l'organ c'est de ça en amour parce que il est capable bénir en amour et sur capable bon accès pour capable regagner confiance dans bon Dieu surtout qu'on est l'organ la foi ou obligé joindre conviction pour capable faire en seul parce que ou besoin de ça pour capable songer quel que soit passé dans vie à Jésus c'est lui qui gagne solution en amour là tout problème que tu es capable gagner. Là que vous dites, là t'as un problème parlant. Est-ce que vous voulez partager ensemble avec mon cap garder nous là quelques témoignages des musiques que vous composez, si ça va vous déranger? Non, il va pas déranger. C'est un témoignage qui simple, c'est que nous t'es petit. Ma maman me racontait que j'étais malade. Elle dit que j'étais une opération pour me défaire. Mais me défaire trois opérations déjà. C'est pas qu'elle me dit un an, deux ans. Il a raconté que me bat même qu'on est. Et gon trois gon quatrième opération que moi était supposé faire mais son docteur qui t'a sorti États-Unis qui t'a venir opérer en Haïti et gayon ange qui vient qui dit maman que si l'opérer na foi ça il pas avec maman encore on y a la maman même tendé voir ange Jean le dit là il a bien tout de blanc vient parler ensemble avec lui en dormi et maman était tendé veut pas faire opération hein? Opération était annulée et puis depuis là ça tout yo fait me connaît que me pas déjà malade encore. C'est que moi guéri et me guéri net me dit bon Dieu merci pour ça et c'est ça que fait moi retracer histoire là ça me pas dit dans témoignage là c'est l'entendre musique là ou même l'organ CD ou pour tout détail parce que là nous pas capable continuer pour d'abord plus de détails mais en parlant de musique par exemple gagne en pile jeune qui est plus c'est qui la corona rap dans compas. Mais et si tu as un jeune qui a gardé là, si tu as un parent qui a gardé là, qui a un petit lien dans la musique, mais qui n'est pas tellement croyant dans la question de musique, là, qui message que tu as gagné pour montrer que tu as gardé, pour que tu as pris la musique au sérieux dans la communauté haïtienne? Le message que je gagne, c'est que on connaît la vie, même bon Dieu lui-même l'écrit nous avec le libre arbitre. Il y a des gens qui choisissent certains types de musique, que musique, le bagage qui devient sorti universel que nous pas gain contrôle li au à 100% pour dire bon mais type de musique ou t'as supposé jouer m'pas comme son monde qui bien placé pour me dire ça moi capable plus ou moins encourager un jeune pareil moi et même petit passé qui connait jouer musique qui gain talent qui connait chanter li t'a préférable pour mettre le plus bien comme ça t'a préférable que nous t'a jouer musique évangélique et surtout qui gain caractère à full gospel qui gagne un aspect que
l'op danser li, l'op chanter li, que soit dans aspect que vous êtes capable prendre là, vous toujours connaît que vous respectez la sainteté de Dieu. Mm-hmm. Ça veut dire que vous connaît que musique soit jouer li différent de toute l'autre musique côté qu'on attendait dans monde là, parce que même dans Bible elle dit là où tu dans monde là, où tu en monde, là vient dans l'église, vient l'autre monde, ça veut dire une conversion qui fait la caille. Sauté avant on parlait même encore qu'on a venu au monde qui naît de nouveau, et c'est ça qui fait nous toujours encourager jeunes yo là que maman on fait l'église, même le pas de faire l'église, yon jeune tant comme yon encourage à aller l'église pour attendre l'autre bagage différent qui capable bénir dans moi, surtout qui capable mettre dans l'autre milieu côté capable apprendre un bagage qui différent, qui plus ou moins sain, côté que pas capable gagner pour subir des chocs en retour, mais son bagage capable mener à la vie éternelle. Moi toujours encourager jeune yo a fait ça, surtout capable prendre disposition pour servir bon Dieu, surtout produire des musiques qui capable ramener l'autre yo qui dehors dans monde là, mm-hmm, à faire partie de l'église, surtout yon assemblée côté que a adorer bon Dieu en esprit et en vérité. OK, merci. Mais gagne monde qui a gardé là aujourd'hui hein, qui gagne pas une foi chrétienne, qui parle l'évangile, qui parle l'église, so et dans musique que ou créé yo. Est-ce que moun sa, bon me repose question l'autre genre, qui jan moun sa t'es capable rejoindre ni dans genre de musique ça? Gan pile musique sur album nan, son album qui construit directement pour moun qui senti yo fatigué, attendé yon pan de musique que ton habitué attendé déjà, et surtout pas jouer rien là-dedans, yo sorti vide même genre. Album ça li même l'entendé depuis commencement jusqu'à la fin, 14 musiques sous li, ou après ou attendre bagay différent de ou t'es jamais qu'on attendait avant. Pas gen rien qui nous veut sous soleil là, c'est vrai. Mais l'obtention des albums, ça a senti que non, ou j'aime quelque chose pour lui. Un exemple, par exemple, numéro 4 sur l'album, non? C'est une musique qui l'obtention, quel que soit problème, quel que soit ça que tu as gagné, ou a songé que, par exemple, sauver ça, dans quelle que soit situation. Gloire Alléluia, c'est une musique que le peuple a remis en pile, numéro 6 sur l'album, non? C'est une musique que, quel que soit ce qu'on a fait, il m'a mis un petit monde qui gagne de 2 ans au moins, il commence à parler, il a chanté. Jusqu'à ce qu'il y ait même 100 ans, ou still way, la envie et remet chanter musique qui soit album là, qui ont bénéfice pour nous. C'est ça l'album là, et c'est ça qu'il a donné. Et qui porte mon guitare et gagné, il est très simple, essayez, voyons email ban nous, asnalnelfra@gmail.com, ou bien capable de briller nous dans 786-312-6789. 786-312-6789-786-312-6789 ou ap jwenn album nan pou kapab tande, parce que la bon pou nan mou et surtout la rafermi ou l'a senti que ou fatigué ou pa konn ki sa pou faire encore, mais gen yon moun ki konnen ki sa pou le faire avec tout problème, tout ça qu'on capable passer dans la vie. En gros, c'est ça album nan gladan baga ki pou rafermi nan mou. C'est une question que je vais poser parce que vous dites dans numéro 2, mais qui musique qui gagne, numéro 6, numéro 4. Ce sont les bagages d'album, la plus difficile pour capable. Oui, Jésus, c'est solution numéro 2, Paguet en cours numéro 4, Gloire Alléluia numéro 6, Alléluia Amen numéro 8. C'est tout ça qui compose l'album. Songez que je me dis ça déjà. Son album qui est composé différemment de tout l'autre album. Yes. Parce que je n'ai les fait tant qu'on son dissertation à attendre. Première musique, c'est Alléluia Amen, qui est son introduction. Huitième musique, là, c'est Alléluia Amen, qui est son développement. Et quatorzième, là, c'est Alléluia Amen, qui est sa conclusion. Vous pouvez le voir vraiment vrai. C'est pour la première fois que j'ai un album qui construit comme ça. Et vous avez remis, et vous n'êtes pas capable de suspendre d'entendre. C'est impossible presque. Parce qu'à chaque fois que vous entendez, vous avez besoin d'un bagage qu'on n'a pas entendu avant, qui a intéressé ou entendu le plus, et vous avez senti dans mon béni. C'est un avantage pour tout le monde qui a attendu l'album ça. Bon, nous t'a décosé à nous joindre information yo, nous t'a souhaité que nous mêmes qui branché qui a gardé là, nous reach out, nous et contacter et Asnal et numéro téléphonique c'est 786 312 67 89. 312 67 89. So, si nous t'a aimé participer dans ça que la fait yo, il y a un concert tout en tout. Nous t'a souhaité que oui, nous relais pour nous connaître qui le que la pour nous même qui branché là, nous capable toujours contacter Asnal dans numéro téléphone Nicole Sotbano là. Encore une fois, c'est 786 312 67 89. D'accord. Merci et c'est ton plaisir Asnal. C'est ton plaisir Guylaine, à bientôt, merci. Et nous tous qui branchés, nous avons regardé ça qui passait TV show. À bientôt. Nom c'est Guylaine Berry.